Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Demolish et Build 3 pour commencer notre carrière. Donc c'est un jeu que l'on avait découvert il y a déjà bien longtemps, donc avec une première démo donc qui proposait un site de démolition et puis une deuxième démo prologue hein, donc avec deux ou trois missions, je pense que c'était les deux, trois premières missions du jeu. Donc ce que l'on va faire, on va déjà faire la première mission et après je vais sauter les autres missions de façon à reprendre directement la toute nouvelle mission pour poursuivre. Et je vous invite les amis, hein, si vous souhaitez voir les missions de prologue, à regarder hein, le live, je vous mettrai tout ça en description, suivi du jeu. A savoir aussi qu'il y a une offre de lancement jusqu'au 25 septembre, le jeu vous pouvez le retrouver moins cher, hein, donc là il est à 11€ avec ou Sleeper je crois si vous ne l'avez pas. Au lieu de 16€ ou 17€ je crois en tarif plein pot. Voilà, donc ça vous permet d'économiser un peu d'argent. Allez, c'est parti. Donc juste avant, on va regarder rapidement dans les options. Donc à mes souvenirs, on avait donc les paramètres de commande qui étaient quand même inversés. Enfin, si je compare à Farming Simulator, hein, pour ceux qui y jouent. Et si on veut modifier les commandes, du coup, il faudra aller dans le joystick. Et puis, comparé à la démo, j'ai l'impression que ça a l'air d'être plus... Ouais, mieux parce que... À l'époque de la démo, hein, si on se souvient, c'était pas ouf pour changer les commandes, c'était un peu bizarre. Là, c'est l'air d'être plus radical, on verra bien. De toute façon, je pense que les commandes vont être inversées. Donc là, pelleteuse, mini pelleteuse, chargeuse compacte, chargeuse à chenille. Ok, très bien. On va juste regarder au niveau de la qualité. Donc j'ai laissé tel quel, j'ai pas touché pour l'instant, on verra plus tard. Donc hop, on descend tout en bas, histoire de voir ce qu'on a de plus. Ok, bon, j'ai tout laissé. Grain de film, alors ça, je vais désactiver. Voilà, appliquer, oui, ok, retour. Voilà, alors la qualité, on a vu. Vidéo, donc du coup, résolution 2560 par 1440, ça, c'est la résolution de mon écran. Parce que je suis sur un écran de télé et pas un écran d'ordi. Donc, plein écran sans bordure, ok. Et la synchro verticale, activée. Très bien, bah écoutez les amis, on va pouvoir démarrer la première mission, commencer une nouvelle carrière, oui, c'est parti, donc là on peut changer le nom de l'entreprise, ainsi que votre prénom de propriétaire et PDG. On va pouvoir commencer notre première mission, donc du coup c'était donc la destruction d'un bâtiment, j'ai créé une entreprise, maintenant il me faut un quartier général, cette propriété était suffisamment grande et bon marché, alors je l'ai acheté. Il me reste plus qu'à la préparer pour m'y construire un bureau. L'essentiel est de démolir cette vieille grange. Quant au nettoyage, je peux le faire moi-même ou engager quelqu'un d'autre. C'est parti. Donc voilà, on commence comme ça directement. De bon matin. Donc on a une petite chargeuse de type Bobcat. Donc vous avez reçu un nouveau message. Utilisez votre téléphone pour le consulter. Donc le jeu est entièrement compatible à la manette Xbox One et sûrement PlayStation. Voilà, donc les messages de bienvenue, entrée dans le véhicule. Alors. Voilà, j'ai eu peur, ça n'avait pas marché. Donc faire pivoter la caméra, donc là il faut appuyer sur le stick de gauche. Et avec le stick de droit, on peut donc bouger la caméra. Très bien. Donc zoomer. Donc pour zoomer, donc on appuie sur le stick de droit. Et avec celui de gauche, hein, vous pouvez zoomer, dézoomer. Voilà. Donc la tablette. Enfin, le téléphone plutôt. Il nous explique les missions. D'accord. Et ensuite... Donc la tablette pour avoir donc les infos de la machine. Alors attendez, hop, on va juste regarder un truc, je sais plus ce qu'on avait genre en info. Ok, le godet, l'angle. D'accord. Voilà. Et on peut allumer les feux. C'est fait. Passer à la caméra externe. D'accord, Y. Voilà. Pour la caméra externe, toutes les fonctions sont disponibles en maintenant la touche d'interaction enfoncée. D'accord. Pour sortir la tablette ou allumer les feux.
peut également focaliser la caméra sur l'accessoire. Ok. Déplacer le véhicule vers l'avant ou l'arrière, donc avec le stick gauche. Et le faire tourner gauche-droite. Voilà. Monter le bras. Alors du coup là c'est inversé. Donc quand je dis inversé, du coup c'est je tire le stick vers le bas et vous voyez ça monte. Et quand je monte le stick vers le haut, du coup ça descend. Bon après il y en a hein, qui préfèrent les commandes comme ça. Moi je préfère plus quand ça va dans le bon sens, mais bon après c'est à chacun de choisir son type de commande. Donc là le but est très simple, hein, il suffit juste de démolir le bâtiment. Alors on va changer d'accessoire. On va prendre le BRH. Il a pris ou pas pris là? Ok. Alors pour activer le marteau, du coup c'est A, d'accord. Oh là. Ah oui, c'est assez violent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser les angles et on va le faire tomber au godet. Ça va la caméra cabine, je trouve qu'elle est pas trop mal, on voit bien, on a une bonne vision. Il est ultra résistant le bâtiment. Attendez, on va passer en vue extérieure, c'est plus facile. Par contre c'est un peu chiant quand même. Hop, on va remettre le mode caméra poursuite parce que... Bon, le mieux normalement c'est d'utiliser le BRH et puis la scie. Mais vu que là on ne l'impose pas, donc on l'a vu dans le prologue. Abrégé. Voilà. On va les valider. Alors, hop. Donc pour ça, il faut aller donc vers la tablette. Et terminer la mission. Ok, donc, vous voyez, sans forcer, ça me met 5 étoiles, nickel. Hop, on va continuer. Donc, mission suivante. Donc là, c'est la construction d'une cabane. Donc, maintenant que la zone est dégagée, il est temps de construire mon premier bureau. Ce ne sera pas grand-chose, mais ça suffira pour commencer. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà fait dans le prologue. Parce que dans le prologue, il me semble que c'était peut-être même 2 ou 3 missions. Parce que après, c'est là, je crois qu'il y avait un terrassement avec une pelle. Je sais plus, enfin il me semble.
Donc la mission de construction de la cabane de l'entreprise est terminée. Voici le quartier général de votre entreprise, explorez-le, puis entrez dans le bureau et ouvrez l'ordinateur portable. Et c'est là que les amis, on va pouvoir commencer notre carrière d'entrepreneur. Donc là ici c'est le garage des véhicules. Donc, je sais pas si on a une interaction ici. A priori non. On peut ouvrir. On peut allumer les lumières. Nickel. Donc ça c'est notre bureau. D'accord. Alors, ici pareil. On peut allumer la lumière aussi. C'est cool. D'accord. Avec le petit néon qui chante. Alors, donc là on est dans le menu. Alors, c'est ici que vous gérez votre entreprise. L'écran d'accueil affiche les informations les plus importantes et les messages récents. Ok, très bien. Les missions disponibles liste toutes les missions disponibles sur le marché. Gestionnaire de mission liste toutes les missions inachevées que vous avez acceptées. Les atouts vous permettent d'acheter ou de vendre tous vos outils et véhicules. Ok, ouvrir l'onglet des missions disponibles. Alors, ok, c'est ici. Donc ici, vous verrez le nombre de missions que vous pouvez encore accepter. D'accord, donc il y a un temps pour des missions. Ici, vous verrez quand la mission expirera. Pardon. Ici, vous verrez les exigences de la mission. Ici, vous pouvez consulter les détails de chaque mission. Très bien. Choisissez une mission que vous souhaitez effectuer, puis cliquez sur le bouton « Accepter la mission » dans la fenêtre de détails. D'accord, comme ici par exemple. Alors, hop, bah attends, comment tu fais du coup? Ah ouais, attends, c'est là. 3 jours restants, on va faire celle-ci. Alors, détail, exigence, donc démolition. Donc démolir la structure en plâtre, très bien. Tâche, abattre le mur, pénalité et bonus, ne pas endommager les meubles. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, on va accepter la mission. Vous pouvez commencer la mission, vous devez d'abord être en mesure de remplir les conditions requises. Vous pouvez les consulter dans l'onglet gestionnaire de mission. Donc c'est ici. Ok, donc démolir les structures en plâtre. D'accord, c'est en rouge. Alors, pourquoi il nous dit que c'est date de limite, pénalité, ok. D'accord. Ouvrez un outil au hasard. Alors, c'est ici. Hop. Marteau par exemple. Alors cette liste indique les exigences auxquelles l'outil répond. D'accord. Certains outils, principalement les accessoires, ont leurs propres exigences. Cette liste les énumère. Ici vous pouvez vendre vos outils. Les objets déjà utilisés seront vendus à prix réduit. Pour commencer la mission, est dans l'onglet gestionnaire de mission et sélectionner détails. D'accord, pour voir en clair l'onglet. Ok, donc là, c'est démolir les structures en plâtre. Voilà. Non. Ah. Cliquez ici pour ajouter un outil à la mission. Donc là, le marteau de forgeron. Assigné. Et c'est pas celui-là. Attends. Voilà. Cette icône vous indique l'espace disponible dans la zone de mission. Cela vous permet de connaître les coûts associés à la mission. Des outils différents ont des coûts différents. Commencez la mission une fois que vous êtes prêt. Donc on se dirige chez le client. Cette maison-ci. Hop. On sonne. On ferme la porte direct. Alors, du coup, c'est quelle porte? C'est pas là, c'est pas ici, c'est pas là non plus, c'est ici. Très bien. Ok, donc petite cuisine. Donc du coup, hein, vous voyez, j'ai dû reprendre la voiture parce que du coup, bah, PM, c'est après-midi, donc 9h42, c'était le soir. Donc là, j'ai repris dès le matin directement. Donc le mur qu'on doit abattre, les amis, il est ici.
Donc il faut qu'on fasse bien attention de ne pas abîmer les meubles du client. Oula, on a une plaque de placo ici. Je ne sais pas si on peut la mettre. Elle veut rester debout. Très bien, donc les meubles sont ici. Tout est bâché, préparé. Donc c'est bien là pour le site de démolition. Alors on va regarder rapidement. Vous voyez, avec le portable, on peut voir la photo. C'est bien ici. Allez, c'est parti, on sort la masse. Et du coup, on défonce tout. Donc je vais vous faire ça en accéléré. Terminée, donc ce fut laborieux hein, puisque vous voyez tous les projectiles sont partis sur les meubles, donc du coup là je pense que je vais pas être payé très lourd, j'ai fait quand même pas mal de dégâts. Après donc la masse c'est pas super idéal on va dire, peut-être que s'il y aurait eu un, je sais pas, un marteau piqueur ou un autre accessoire, ça aurait peut-être pu être un peu mieux. Bon là ça a été un peu à l'arrache on va dire, donc il y aurait eu quand même pas mal de pénalités, donc 340 sur 500, on va pas être payé super lourd. Allez, on va aller valider la mission. Donc, je pense qu'après, c'est à nous de choisir. Allez, on va pouvoir enchaîner sur une prochaine mission en espérant que celle-ci soit mieux. Hop, donc, on sélectionne l'ordinateur. On choisit quelque chose de pas mal ce coup-ci. Alors, construction de maison en bois, construction de maison en bois, remplacement d'un tuyau cassé. D'accord, donc là j'ai pas trop de... Ok. En plus j'ai pas lourd en argent. On va regarder celle-ci là, ce qu'il nous demande. Donc exigence, creusage précis, démolir des structures en béton. D'accord, et espace restreint. Creusage précis. On va regarder dans les modes, enfin dans les véhicules, je pense. Alors, est-ce qu'ici on a. Ouais, creusage précis. Nickel. On a donc la grosse pelle hein, qui est donc à 50 000. Le Bobcat qui lui est à 10 000. Et le Trax, hein, donc la chargeuse Ashley, 50 000. Donc on a 4 engins quoi. Bah écoutez, on va s'acheter la mini pelle. Voilà, donc on a plus que 5 000 en poche. Donc ça c'est fait. On va retourner sur la mission. Alors donc bah c'est bon en fait, c'est tout bon. Donc on va juste regarder s'il n'y en a pas autre chose que le marteau, parce que c'est pas ouf quand même le marteau. Est-ce qu'il y aura un autre type d'accessoire? Donc ça c'est quoi? C'est les accessoires pour les machines quoi.
D'accord. Marteau piqueur. Si. Grappin. Marteau pour pelleteuse. Si. De pelleteuse. Nickel. Cisaille. Grappin à patin. Marteau piqueur. Si à patin. Cisaille. Lame de chargement. Ok, ok. Alors dans les outils, on a donc bétonnière, échelle, tour légère, détecteur d'électricité. On a un système de sauvegarde automatique à ce que je vois. Donc détecteur d'électricité utile pour détecter les fils électriques sous tension. Alors, on va peut-être l'acheter celui-là. Voilà. Ensuite, marteau, je vais prendre un marteau aussi. Voilà. L'échelle, pareil, on en a acheté une aussi. Marteau piqueur, je sais pas si j'en prends un tout de suite. Ouais, vas-y, allez hop, on achète un marteau piqueur. Une scie à bosse, donc ça, on va en prendre une aussi. Une pelle à main, on va en acheter une. Marteau forgeron, bah ça on a déjà. Une truelle, bah pourquoi pas. Et voilà, comme ça on sera bien équipé. Une bétonnière 20 000 quand même. Donc normalement, là on devrait être bien pour la mission. Donc on répond à tous les critères. Déterrer le tuyau, tac tac tac. Là on peut pas assigner on va dire des outils, non, bon bah, je pense que c'est bon. Allez c'est parti, on va pouvoir donc commencer notre nouvelle mission hein. Donc du coup après avoir acheté la mini pelle pour 10 000 $, suivi d'un BRH et en même temps j'ai pris de l'équipement. Donc la mission ça va être donc détruire la chaussée et puis supprimer un vieux tuyau de canalisation a priori hein, donc déterrer le tuyau. Donc je sais pas où on va devoir évacuer les gravats. Donc juste vous regardez les commandes, donc hop sauter, on se couche et on peut sprinter avec RB. Ok d'accord. Donc là il y a une caisse que c'est pour mettre les gravats. Je sais pas si on a des bonus hein, pour après les petites précisions comme cela. Du coup bonne nouvelle les amis, pour les configurations de commandes j'ai pu mettre les bonnes commandes donc, dont un peu similaires à celles que j'utilise sur Farming Simulator. Donc je le rappelle, hein, je vous le remonte rapidement, dans les options vous avez donc attribution des commandes, véhicule, là en haut à droite vous allez sur le joystick. Donc du coup je pense que ça doit être compatible aussi pour les joystick Thrustmaster si vous en possédez deux, plus un pédalier, je pense que vous avez de quoi retrouver une bonne configuration avec deux joysticks et pédaliers. En tout cas, moi j'utilise la manette Xbox One, hein, donc du coup j'ai pu mettre les commandes parfaitement comme ce que je recherchais. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hop, impeccable. Donc, bah écoutez les amis, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc, deux bons matins, il est 7h58, nickel. Hop. Change de vue, on va régler la vue au mieux. Alors je trouve que le système de vue il est pas évident, on va dire à s'habituer. Bon après c'est un coup à prendre. Donc tac, au niveau des déplacements de la pelleteuse, bah du coup c'est similaire à Construction Simulator hein. Donc soit les deux gâchettes pour avancer ou l'une ou l'autre hein, pour une chenille quoi. Donc la pelle est assez nerveuse quand même, mine de rien. En tout cas au niveau des commandes bah ça c'est cool qu'on puisse régler comme on le souhaite. Alors la pelle elle est extrêmement nerveuse. On va essayer de se mettre au mieux. Voilà. Allez c'est parti. Je vais vous faire ça en accéléré les amis hein.
Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, on va aller voir sur l'ordi si on peut en savoir plus. Ok, bah c'est tout ce qu'il y avait à faire en fait. C'était juste déterrer le tuyau. Je pensais qu'il fallait le détruire au BRH pour peut-être un futur emplacement, mais en fait non, juste déterrer le tuyau. Voilà. S'arrêter là les amis pour cet épisode, et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire et un petit pouce en l'air si vous avez aimé l'épisode sur ce jeu Demolish Build 3. Je vous mets toutes les infos en description. On continuera l'émission de carrière, en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal au niveau des commandes, c'est impeccable, on s'y retrouve puisqu'on peut tout modifier les commandes. Au niveau stabilité du jeu, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas eu de crash, pas de bug, pas trop de soucis dans l'ensemble. En tout cas, je vous tiendrai informé au suivi de cette carrière. Les amis, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!